Un drapeau de l'État de Côte d'Ivoire remis aux représentants de chaque famille éplorée. Un geste simple, mais plein de sens. Le symbole de la reconnaissance de la nation entière à ses frères d'armes pour service rendu jusqu'au sacrifice ultime. MDL Jean-Louis Yubo, anciennement en service au 1er bataillon blindé, a été victime d'un accident mortel de la circulation alors qu'il revenait d'une intervention. Les militaires de rang, les Kaporo Koulibaly Ngolo, Karamoko Binaté et le soldat de première classe Sissé Yaya étaient anciennement en service au bataillon de sécurisation de l'Ouest. Avec le caporal Lobeziegou de l'état-major de la 2e région, ils sont tombés au champ d'honneur lors de l'attaque de la localité de Grabo le 23 février dernier. Aujourd'hui, toute l'armée de Côte d'Ivoire leur rend hommage. La hiérarchie militaire, avec à sa tête le chef d'état-major général des FRCI, Soumaïla Bakayoko, s'incline devant les dépouilles de ces braves militaires qui sont faits chevaliers de l'ordre du mérite ivoirien à titre posthume.